à Matignon. Au chapitre des affaires de racisme, une agression à Avignon. Une jeune noire a été attaquée par quatre jeunes gens de moins de 20 ans qui l'ont insultée et partiellement tondue. Et puis, l'émotion à Saint-Herblain, près de Nantes. Les trois skinheads de bonne famille qui avaient profané le cimetière ont été remis en liberté. Claude Crespo. 8 jours après Carpentras, eux avaient choisi le cimetière catholique de Tilly pour leur forfait. Pour, diront-ils, faire accuser les juifs. Ils barbouilleront 90 tombes, des slogans maculés d'étoiles de David, Le Pen à mort ou encore Juif et fier de l'être. Une manœuvre qui ne trompera pas les enquêteurs. 24 heures après, les trois skinheads seront inculpés et écroués à la maison d'arrêt de Nantes. Ils sont donc sortis hier, sur décision du juge Dubigeon, une mise en liberté provisoire qui scandalise le maire de Saint-Herblain. Eh bien, c'est une décision que je qualifie d'invraisemblable. Et dès hier, dès que la nouvelle a été connue, un certain nombre d'habitants m'ont téléphoné. Je me trouvais dans une réunion publique également en soirée, et tout le monde se trouve un peu consterné par la nouvelle. Il y a juste quelques heures, quelques jours, que l'événement a eu lieu. Ceci est tout à fait récent. Et par cette libération, on a l'impression de la reconnaissance d'une certaine banalisation de l'acte, voire même une certaine excuse avant même que la chose soit jugée. Cela, on ne peut pas l'accepter. La commune s'est portée partie civile et le maire a tenu à marquer son désaveu dans 3 télégrammes adressés au Premier ministre, au garde des Sceaux et au ministre de l'Intérieur.